Et la pénalité pour Charles Leclerc, c'est officiel. 10 places de pénalité. Oh là là, mais c'est pas possible. Quel enfer. Mathia Binotto, directeur de Ferrari, l'a laissé entendre juste après Bakou. Les problèmes de moteur, de unité de puissance. Charles Leclerc abordera son week-end au Canada avec un nouveau moteur, mais aussi un nouveau turbo hors du quota pour ce troisième moteur neuf, mais ce quatrième turbo. C'est donc une pénalité de 10 places pour le monégasque. C'est si tôt dans la saison, enfin si tôt. Dans le premier tiers, c'est un peu grave quand même. Hein. Le pilote Ferrari partira donc au mieux 11e dimanche à Montréal, s'il a réussi à signer le meilleur temps des qualifs. Bon, et ben voilà, encore une course offerte sur un plateau à Red Bull, que ce soit Perez ou Verstappen, mais bon, Verstappen va sûrement profiter pour marquer 25 points supplémentaires. Bon, Leclerc, du coup, il va remonter le peloton, j'imagine. Ça va être intéressant à voir pour le spectacle, mais bon, il y aura tellement de retard par rapport à Max qu'au final, il n'arriverait pas à le battre. À moins d'une safety car bien placée pour lui, mais bon, ça paraît peu probable. Sait-on jamais. Bon voilà, je vous laisse commenter cette mauvaise nouvelle. Ciao!